allons-nous, mes amis, après avoir fait un tel travail dont on n'est pas digne? Je ne vois pas en qualité de qui allons-nous, mes amis, vendre ce livre et de ce fait empêcher ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui n'ont aucun sou, d'y accéder. Qui sommes-nous pour dire à ceux qui n'ont pas d'argent, ben, vous n'avez pas le droit d'accéder à la connaissance? Qui sommes-nous? Jésus n'a jamais procédé ainsi. Il a donné tout ce qu'il avait gratuitement. Il nous a sauvés gratuitement. Le salut est offert gratuitement. Et les enseignements que le maître donnait étaient donnés gratuitement. Il priait pour les malades. Il les guérissait gratuitement. Il les nourrissait gratuitement. Et je ne vois pas pourquoi nous qui sommes censés limiter, nous sommes ses disciples, nous qui sommes ses disciples, allons-nous, mes amis, et vendre la parole sous prétexte que ça coûte cher, papier, l'impression. Eh bien, frères et sœurs, en moins de 8 mois, Dieu nous a donné plus de 101 000 euros, si je ne me trompe, et alors qu'on avait seulement besoin de 83 000 euros. Donc, je ne vois pas pourquoi, mes amis, allons-nous limiter notre Dieu. On voit qu'en 8 mois, il nous a donné au-delà de ce que nous avons demandé pour pouvoir imprimer ces 10 000 exemplaires. Et pour votre information, l'imprimeur, alors qu'on avait commandé seulement 10 000 exemplaires, il nous en a donné, n'est-ce pas, il nous a fait don de 300 Bibles. Donc en tout, on a récupéré 10 300 Bibles. Donc vous voyez comment Dieu opère, frères et sœurs, et nous croyons au message du retour à la parole, nous croyons au message de la réforme des églises, des cœurs, de nos fonctionnements. Et c'est pour cela, mes amis, nous voulons, en distribuant gratuitement ce livre, mes amis, qui est quand même très bien fait, hein, donc c'est un travail de qualité que le Seigneur a fait. Donc, nous avons voulu montrer au monde entier que nous voulons vivre ce que nous prêchons et nous voulons prêcher ce que nous vivons et que c'est possible de servir Dieu, hein, de vivre par la foi, de servir le Seigneur tout en étant vrai, tout en étant intègre, et c'est possible. Vous voyez? Et c'est ça qui nous motive. Et que c'est aussi possible, mes amis, de faire avancer le royaume de Dieu sans la dîme. Parce que ceux qui ont pris la dîme pendant des années n'ont même pas fait ce travail. N'est-ce pas? Donc, et je crois qu'au travers de ces œuvres, nous voulons vraiment, par la grâce de Dieu, montrer aux frères et sœurs, oui, si vous aimez la vérité, oui, si vous voulez revenir à la parole de Dieu, Dieu vous soutiendra, Dieu vous assistera. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de raison pour ne pas qu'il le fasse. Donc, et on va encore de nouveau, hein, donc vous montrer, donc si on peut vraiment prendre la caméra avec nous, une caméra qui est là, dédiée, pour que vous voyez davantage, hein, ce travail, et c'est gratuit, et c'est possible de le faire. Et c'est pour cela que ce soir, je voudrais personnellement encourager tous les défenseurs de la saine doctrine, toutes les femmes, les hommes qui proclament la vérité, qui prêchent la vérité, qui sont debout pour défendre l'évangile dans ce temps d'apostasie, dans ce temps de confusion, dans ce temps où il y a des charlatans qui vont ici et là pour crier, pour demander de l'argent, dans ce temps où, mes amis, les vrais prophètes, les vrais prédicateurs sont traités de gourous, de sorciers, dans ce temps où la masturbation est encouragée, dans ce temps où, mes amis, des marchands du temple pullulent dans nos églises, des marchands des miracles, dans ce temps où, mes amis, il y a la famine spirituelle, et nous voulons dire aux enfants de Dieu, dire aux frères et sœurs, peu importe leur service, peu importe leurs assemblées, peu importe leur origine, nous voulons, mes amis, que vous soyez tous encouragés pour défendre la sainte doctrine, parce que il y a des hommes et des femmes dans le monde entier qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, qui le servent et qui n'ont pas fléchi les genoux devant le Dieu Mammon, devant le Dieu de l'argent, la richesse, et qui veulent offrir gratuitement l'évangile comme notre maître nous l'a recommandé, nous l'a ordonné carrément, je dirais, n'est-ce pas, c'est pas une recommandation, c'est un ordre. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement, disait Yeshua. Donc, nous avons voulu, mes amis, vraiment vous encourager, et au travers de toutes ces œuvres, donc, et que c'est possible, c'est possible. Donc, alors, Laurent, c'est possible de carrément mettre la caméra par-dessus? Tout est possible, merci mon frère. Et voilà, donc, on va bien montrer le travail ce soir que le Seigneur a fait faire. Et voilà, ce travail de qualité à la gloire de Yeshua. Donc,
Un problème de lumière. Ah, il y a un souci avec la lumière, on va s'organiser. On veut vraiment vous faire bénéficier de tout ce. Hein, vous qui êtes au loin, parce que vous êtes aussi nombreux à ne pas pouvoir venir le 19. Hein, donc on veut vraiment que vous découvriez ce travail. Et au nom de Yeshua. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà, donc c'est possible de zoomer un peu. C'est possible? Gloire à Dieu. Merci Laurent. Voilà, Apocalypse 19, 10. Pourquoi? Parce que eh ben, c'est écrit et le témoignage de Jésus-Christ hein, est l'esprit de la prophétie. Et nous avons bien mis en bas, interdite à la vente, pour ne pas que ceux qui vont la recevoir. La vendre pour ne pas non plus la retrouver sur des sites voilà de vente. Amen. Amen. Donc voilà, voyez le travail de qualité, frères et sœurs, voyez la couverture, c'est un travail de La qualité. certitude. Nous avons voulu, mes amis, vraiment que Dieu soit honoré. Voilà. Et ensuite voilà, là c'est le derrière. Regardez là. La gravure là, voilà. Laurent, c'est gravé hein, carrément. Et voilà. Voilà, on va régler un peu pour parce que c'est flou. Et vous inquiétez pas, on va faire le réglage. Donc là en dessous, là, vous avez Apocalypse, chapitre 10, verset. Chapitre 19, verset 10. Voilà. Et ah, la mise au point. Ensuite, voilà, et alors là c'est plus clair, là c'est net, là c'est nickel. Première page, comme on vous l'a montré la dernière fois. Donc les deux cartes. Alors c'est des cartes, ces cartes ont été bien sûr réalisées par Yann. Hein, donc Yann et d'autres images que nous vous montrerons ont été réalisées par... notre frère Johnny, hein, Johnny que nous saluons et que nous remercions aussi. Voilà. Alors Ludo, tu pourras tenir un peu la merci. Voilà. Donc, vous voyez les deux cartes là. Donc les cartes là, c'est notre frère Yann, hein, Yann Tanguy, qui les a travaillées. Donc tout a été fait maison. Hein. Tout à Donc fait. voilà. Donc c'est travailler, travailler, travailler. Voilà. Donc c'est les cartes. On a signé également Bible de Jésus-Christ en bas ici. Voilà Laurent. Donc là, on a signé Bible de Jésus-Christ ici, vous verrez. Donc ensuite, donc là c'est la carte de, enfin, vous verrez quand vous l'aurez. Ensuite, nous avons le grand prêtre. Alors justement par rapport à la révision, en parlant que les frères et sœurs découvrent les images. Donc on a enlevé le terme souverain sacrificateur par rapport à Aaron. Hein, donc on a remplacé ce mot-là, comme l'hébreu le dit également, grand. Donc c'est grand prêtre. Hein, et parce que aucun homme n'est souverain. Dire que Aaron était souverain sacrificateur, eh ben non, mes amis. Dieu seul est souverain. D'accord? Tout-puissant. Donc c'est grand prêtre. Donc vous allez retrouver partout grand prêtre. Donc voilà, à la place de souverain sacrificateur. Voilà. Donc là, ben, c'est notre frère Johnny qui a réalisé ces deux images-là, donc du temple du grand prêtre avec, mes amis, le pectoral et sa signification. Hein, donc voilà, ce travail de qualité signé Bible de Jésus-Christ. Voyez, frère, voilà. Ensuite, nous avons... Et toujours le travail de Johnny, notre frère. Donc le temple de Salomon extérieur. Voilà. Tout ça avec une légende. Ensuite, vous avez le bassin. D'accord? Et les bassins.
et vous avez l'hôtel. Voilà comment l'hôtel était, mes amis. Donc voilà, signé aussi toujours, hein, Bible de Jésus-Christ. Voilà, donc là c'est le travail de Johnny, notre frère. Donc pour vous montrer que le travail était fait maison, hein, donc et là vous avez la chronologie des rois et des prophètes comme on vous l'a montré. Ça, c'est le travail de Yann, hein, donc Yann Tanguy. Donc un petit coucou, hein, en tout cas à Johnny et Yann pour votre travail, en tout cas. En tout cas l'équipe est une équipe solide. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs. Donc là vous avez la chronologie des rois et des prophètes, hein, donc voilà. Et ensuite, donc ça c'est le travail de Yann. Et pareil, vous avez ici un lion qui est là. Ce lion est fait à partir des noms, des divers noms de Yeshua. D'accord. Alors, je ne sais pas si on peut zoomer sur quelques noms, là. C'est pas évident. Hein. Ça se voit. Hein. Oui. Bon, regardez vous-même, frère, les différents noms de Jésus-Christ. Voilà. Voilà, Yahweh, notre justice, Dieu puissant, la porte, la vie éternelle, pain de vie, omniprésent, voilà, fils unique de Dieu, avec des versets bibliques, avec des références, fils de Dieu, du Très-Haut, et la parole, Emmanuel, premier prêtre de notre profession, l'apôtre est le premier prêtre de notre profession, le consommateur de notre foi, souverain pasteur, voilà, fidèle et véritable. Et vous voyez, donc c'est avec ces noms-là, avec les différents noms de Jésus-Christ, que Yann a su, n'est-ce pas, a pu sortir, ben voilà, le lion de la tribu de Judas. Voilà, donc c'est pour cela qu'on l'appelle la Bible de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Amen. Donc le Seigneur m'avait mis à cœur justement qu'il y ait tous les différents noms de Jésus-Christ. Et Yann a été inspiré par le Seigneur par la suite pour donner cette belle, mes amis, image là. Et alors ensuite vous avez la BJC, elle est pas mal aussi cette page là, le logo, la BJC, première édition 2014, avec parallèle, notes explicatives, commentaires, dictionnaires, tableaux explicatifs, cartes, atlas biblique. Strictement interdite à la vente. Donc ça c'est le mien. Donc c'est pour ça que j'ai mis. Voilà. Donc vous ne prêtez pas attention. Voilà. Ça ne sera pas signé. Ça ne serait pas signé, non. Non, ça c'est juste pour que ce au cas où je le perdrais, je la perdrais. Voilà. Donc ensuite, la sœur qui a posé la question, est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport aux maisons d'édition, tout ça. Voilà. Donc le logo. Donc édition ANGC Productions. Non, Évry, France. Et vous avez l'adresse du site de la Bible de Jésus. Voilà. Donc du site de la Bible de Jésus-Christ. Ce site n'est pas encore en ligne. Hein. Donc il est en construction. Il est en construction et il sera en ligne le 19. Donc le vendredi, pas demain, mais l'autre vendredi. Donc voilà. Et là, vous pouvez aller dessus pour télécharger le PDF. Donc la Bible de Jésus-Christ sous format PDF ou encore le format électronique pour ceux qui ne pourront pas venir le 19. Donc voilà. Et ensuite, après ce passage, nous avons bien sûr l'introduction. Pourquoi cette Bible révisée, hein, pourquoi cette révision? Donc on explique bien sûr. Et là, on a mis une petite note là, mes amis, là, pour montrer qu'elle ne doit pas être vendue, hein, donc cette Bible, voilà. Donc elle ne doit pas être vendue, elle doit être diffusée gratuitement, et voilà. Donc ensuite, nous avons le tableau des abréviations, et voilà, vous avez vu ici, il y a la Torah, donc c'est plus comme dans les autres Bibles, hein, où on met Ancien Testament, donc ça a sauté. Donc c'est la Torah. Ensuite, vous avez les Néviim, ou les prophètes. Voilà, tout ça c'est les Néviim, les prophètes, ensuite les Ketuvim ici, ou les écrits, et vous avez parmi les Ketuvim, les psaumes, proverbes, Job, cantique de cantique, tout ça. Voilà. Et vous avez ici les quatre évangiles. N'est-ce pas? Ce n'est pas le Nouveau Testament, hein? Donc les quatre évangiles, et ensuite le testament de Jésus. Voilà, et la première épître, ce n'est plus Romain,
c'est Jacques. La deuxième, c'est Galate. 1 Thessalonicien. 2 Thessalonicien. 1 Corinthien. 2 Corinthiens. Regardez où se trouve Romain. Alléluia. Romain, Éphésiens, tout ça. Voilà. Et ensuite, Jude. Dans vos Bibles, Jude se trouve avant Apocalypse. Alors que dans l'ordre, n'est-ce pas, des livres écrits, hein, donc chronologiques, donc vous avez Jude, Hébreu, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et Apocalypse. Et vous avez les abréviations. Ensuite, vous avez le sommaire. Mmh. Voilà. Le dernier livre du Tanakh, ou de, c'est dans vos Bibles, c'est Malachie. En fait, dans la Bible juive, le dernier livre, c'est Deux Chroniques. Deux Chroniques, ensuite c'est Matthieu. Voilà. Et là, vous avez bien sûr l'introduction de Genèse. D'accord ? Donc, tous les livres, hein, donc, dans tous les livres, hein, donc, vous avez une introduction comme ça, les intros. Et puis, vous avez les écrits. Et là, vous avez les commentaires. Voilà, tout ça sont les commentaires. Et voilà, mes amis, Dieu travaille. Dieu nous aide à faire avancer son œuvre. Voilà. Comment c'est bien fait. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez la statue de Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar. Là, c'est le travail de notre frère Johnny, que nous saluons. Hein. Amen. Un travail de qualité. Voilà, signé aussi, Bible de Jésus-Christ. Travail fait maison. Voilà. Et nous avons ici à côté une autre carte. Mmh. Donc là, c'est le travail de Yann. Merci encore. Et une autre carte, deux autres cartes, hein, donc toujours le travail de Yann, signé toujours la Bible de Jésus-Christ. Et ensuite, vous avez toujours un autre travail de Yann, la chronologie de, autour de Jésus-Christ. Là, et là, le frère, notre frère Johnny, hein, un travail magnifique aussi, hein, donc les deux, hein, Yann et Johnny, vraiment. Et vous nous avez impressionnés par votre... par vos talents, que Dieu vous garde en tout cas. Et vous avez la bête d'Apocalypse 13. Mmh. Voilà. Et là, vous avez le travail de Johnny, si je me trompe. Mmh, voilà. L'armure du combattant, Éphésiens 6. Voilà. Et là, vous avez le travail de Yann, bien sûr. Le tableau, n'est-ce pas, de l'alphabet hébraïque. Vous avez le tableau des fêtes de Yahweh, ici. Vous avez le tableau de mesure, n'est-ce pas, de poids. Et ici, travail de Yann toujours, là, tout ça. Vous avez le tableau de mesure de longueur. Travail de Yann. Monnaie sous l'ancienne alliance. Voilà, tout ça. Et là, vous avez quelque chose de très, très intéressant aussi. Oui. Hein? Qu'est-ce que c'est, David? Comment? Alors, ben, c'est magnifique. Hein? Alors, vous avez, donc là, ça, c'est vraiment un apport historique. Très très capital, très important. Amen. Donc alors vous avez ici en fait l'origine de la majorité de doctrines que l'on trouve dans nos assemblées, l'origine de toutes ces doctrines et qui sont ceux et celles qui sont à la base de ces choses, ouais, de ces doctrines. Et par exemple l'école du dimanche, on explique ça a commencé quand. Amen. Voilà. Et le dogme de l'Immaculée Conception mariale, on explique ça a commencé quand, tout ça, mes amis, et qu'est-ce que la Bible dit. Vous avez le dogme de l'habit du dimanche, pourquoi des chrétiens s'habillent toujours en costume et cravate, ou certains, hein, et proprement le dimanche, on explique. Vous avez la doctrine de, du purgatoire, on explique. Vous avez la bénédiction nuptiale, pourquoi des pasteurs bénissent les mariages aujourd'hui, on explique ça a commencé quand. La double prédestination, on explique. Amen. Ah. Voilà. Vous avez la doctrine de la Toussaint, ça a commencé quand? L'Assomption, ça a commencé quand? Le baptême des enfants, ça a commencé quand? Le célibat des prêtres, ça a commencé quand? La dîme dans l'histoire de l'Église, ça a commencé quand? Marie, Mère de Dieu, ça a commencé quand? Et la messe, ça a commencé quand? L'utilisation des icônes et de chapelets, ça a commencé quand? La papauté, quand est-ce que ça a commencé? Les indulgences,
le fait de payer pour avoir, même si tu meurs dans le péché, hein, si tu payes, t'es pardonné, t'es, même si tu es mort, tu es soi-disant pardonné, donc tu peux retrouver la vie éternelle, te sortir du purgatoire pour aller au ciel, c'est faux. Ça a commencé quand? La Pâque catholique, ça a commencé quand? La construction des bâtiments pour l'église, hein, ça a commencé quand? Et à quelle date on a commencé, à quel moment on a commencé à construire des bâtiments pour les églises? L'ordination ou donation sacerdotale, ça a commencé quand? Le fait d'ordonner des pasteurs ou des prêtres avec des soutanes. Le jour du Seigneur, dimanche, ça a commencé quand? La couverture spirituelle, doctrine selon laquelle chaque chrétien devrait prier pour avoir un berger, une sorte de guide dont le rôle serait de le conseiller, de l'orienter et surtout de le protéger contre Satan. Donc ça a commencé quand? Les quatre grandes écoles théologiques, la théologie, quand est-ce que ça a commencé? Donc il y a la doctrine du sermon, le sermon ou l'homélie, ça a commencé quand? L'évêque ou le pasteur comme chef de l'église locale, ça a commencé quand? Le terme laïque, ça a commencé quand? Le terme clergé, ça a commencé quand? Le sacerdotalisme, c'est-à-dire la médiation humaine, l'homme qui devient médiateur entre toi et Dieu ou ton, le pasteur, ça a commencé quand? La doctrine de la Trinité, ça a commencé quand? La prière adressée aux saints, ça a commencé quand? Tout ça, il y a donc à l'origine des choses. Les vêtements cléricaux, ça a commencé quand? Le cléricalisme, c'est-à-dire le corps pastoral ou des prêtres, ça a commencé quand? Et ensuite, nous avons d'autres tableaux, les dénominations au travers des siècles. Donc là, c'est aussi un apport historique important pour montrer aux frères et sœurs toutes ces dénominations, la plupart des dénominations que nous connaissons, à quel moment ça a commencé. Le méthodisme, le mormonisme, ou église des saints du dernier jour, église adventiste du septième jour, témoin de Jéhovah, pentecôtisme, église kimbanguiste, assemblée de Dieu, et le catholicisme, tout ça, église orientale, église nestorienne, église monophysite, église orthodoxe, le protestantisme, église luthérienne, le calvinisme ou église réformée, l'anabaptisme, le mennonisme, l'anglicanisme, le baptisme, ça a commencé quand? Ensuite, nous avons les différentes traductions de la Bible. Donc, nous avons mis la plupart des traductions donc, que nous connaissons, que nous avons aujourd'hui, et celles qui sont les Bibles qui sont traduites à partir des textes majoritaires ou byzantins ou encore textes reçus, et les Bibles traduites à partir des textes minoritaires. Voilà. Et tout ça, c'est expliqué. Voilà. Ensuite, nous avons ici les informations utiles sur la Bible dans l'histoire. Donc là, on explique un peu l'appellation Bible. Ça a commencé quand? Le mot Bible. Qui est le premier à utiliser ce terme-là? La ponctuation, ça a commencé quand? L'ajout des chapitres dans la Bible. Ça commence. Qui l'a fait? Ça a commencé à quel moment? L'ajout des versets également. Ça a commencé quand? Et ensuite, nous avons le dictionnaire biblique. Et voilà, dictionnaire biblique, c'est là, tout ça, le dictionnaire biblique, ensuite vous avez les écrits. Voilà frères et sœurs, en gros, la BJC, et